Bim, bam, boum, bam, boum, bam. Alors, par exemple, moi, on va cliquer sur une de mes photos. Voilà. Vous voyez, 204 j'aime. Et vous allez regarder au niveau des hashtags et vous allez voir quelque chose. Vous allez vous poser la question, mais regardez. Vous posez la question, mais c'est bizarre. J'ai zéro hashtag. Et oui. Parce que ça, c'est une stratégie que j'utilise qui permet de masquer ces hashtags. Mais bon, ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans le cours. Aujourd'hui, on va déjà commencer par créer une stratégie de hashtag. Hello à tous! Donc Bob Pressoir, Société Cliché Digital. Donc aujourd'hui, on va couvrir un sujet super important. Les hashtags. Les hashtags, c'est super important. Pourquoi? Parce que quand vous commencez Instagram, il vous faut une stratégie. Comme dans tout business, vous avez besoin d'une stratégie. Et sur Instagram, la stratégie qui va vous permettre d'atteindre des clients, d'identifier et de les attirer, ce sont les hashtags. Parce que les hashtags, ça permet, voilà, c'est ce qui est utilisé sur Instagram pour atterrir sur votre compte. Donc, vraiment, le fondamental d'Instagram, c'est d'avoir une belle stratégie de hashtag. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce petit cours que je vous ai préparé. Un petit peu l'improvisation. Moi, je me suis dit, on va travailler sur. Comme j'aime bien Marseille, ville du Sud, et pour passer un petit coucou donc, aux Marseillais, je me suis dit, on va travailler sur la promotion d'un café sur une place populaire à Marseille, la place Castellane. Donc, dans cet épisode, voilà, on fera la promotion d'un petit café place Castellane et on va faire ensemble donc la première stratégie de hashtag, votre première stratégie qui donc vous permettra vraiment d'être efficace sur Instagram et de commencer à gravir les échelons et d'avoir vraiment des gens qui vous suivent et de toucher votre première clientèle et d'attirer les gens. La première chose à savoir quand vous créez une stratégie de hashtag, c'est de connaître ses mots-clés. Si vous ne connaissez pas vos mots-clés, ça va être difficile déjà de trouver une stratégie de hashtag. Donc là, par exemple, imaginons que vous ayez un café. On va prendre l'exemple d'un café et que vous souhaitiez créer une stratégie de hashtag pour un café. Alors, la première chose qu'on va faire, la première chose déjà qui me vient en tête, c'est si vous voulez déjà créer une stratégie de hashtag, il faut déjà connaître vos compétiteurs et vos concurrents. Normalement, vous les connaissez. Sinon, c'est que là, il va falloir tout reprendre depuis le début. Mais vous connaissez déjà vos concurrents. Donc, vos concurrents. Par exemple, imaginons que vous ayez un petit café, vous souhaitiez le promouvoir, ce petit café. Alors, un très bon exemple à prendre sur Instagram, c'est Starbucks. Voilà. C'est Starbucks. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, vous allez vous renseigner sur vos concurrents. Donc là, vous allez déjà aller sur Instagram, vous renseigner sur Starbucks et savoir un petit peu ce qu'ils font, peut-être plus ou moins les hashtags qu'ils utilisent. Donc on va aller sur Starbucks France. Voilà, donc là, je le mets. Alors là, je suis sur mon téléphone. Donc là, ça apparaît à l'écran. Donc en même temps, je vous montre avec la souris ce que je fais comme ça. Ça vous permet de voir en même temps, de comprendre. Voilà, donc là j'appuie là sur Starbucks France. Voilà. Donc déjà, la première chose, si je veux promouvoir un café, donc c'est bien de savoir qui est le numéro 1, qui est le leader, parce que vous n'allez pas prendre les débutants, hein, vous n'allez pas suivre les débutants, vous allez suivre les leaders. Donc les leaders, là, vous regardez le compte de Starbucks France, c'est 76 000 followers. D'accord? Et j'ai bien envie de regarder aussi le compte de Starbucks International pour voir. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, quand vous voyez la petite étoile bleue avec le petit V, ça veut dire que c'est un compte validé, donc c'est un compte officiel. Donc, hop, on va cliquer dessus. Voilà, vous voyez, 14 millions d'abonnés. Donc, c'est beaucoup d'abonnés.
Et donc, ce qui est bien, c'est de déjà voir un petit peu comment, de voir ce qu'ils font déjà au niveau des images. Donc, c'est toujours bien de voir un peu quelles sortes d'images ils utilisent, comment quelle est leur stratégie digitale, comprendre un petit peu leur méthode. Là, je vais regarder les hashtags pour voir un petit peu quels sont les hashtags qui sont utilisés. Alors, bien sûr, ces grandes marques sont des exemples, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes pour l'instant, vous n'êtes pas aussi grand qu'eux, donc il y a des choses qui seront différentes aussi pour vous, dans le sens où pour vous faire connaître, vous faudra utiliser 30 hashtags et pas comme eux. Eux, ils peuvent se permettre d'utiliser deux hashtags parce que ils utilisent deux hashtags. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas besoin de, entre guillemets, spammer pour se faire connaître. Donc, par exemple, là, vous voyez Midnight, Mint, Mocha, Frappuccino. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, après, là, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple parce que là, regardez, ce hashtag-là, c'est un hashtag qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est un hashtag qui leur est propre. Midnight, Mind, Mocha, Frappuccino. On va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, y a que du Starbucks qui apparaît. Donc, là, c'est pas le bon exemple. Parce que eux, ils n'utilisent pas des hashtags qui peuvent s'adresser à tout le monde. Ils utilisent des hashtags qui s'adressent qu'à leurs utilisateurs. Après, vous pouvez le faire aussi. Quand vous commencez à avoir une petite notoriété, vous pouvez vous créer vos propres hashtags qui sera partagé par uniquement vos clients. Là, pour le moment, le but, c'est de trouver des clients. Donc, on va revenir à l'écran de recherche. Ah, je vais cliquer là-dessus directement. Hop. Et voilà, là vous avez accès à l'écran de recherche. Donc là vous avez top. Donc pour les meilleurs, le top. People, c'est pour les gens que vous pouvez suivre. Et tag, donc ça c'est les tags. Et places aussi, c'est les endroits qui sont intéressants. Places aussi, ça peut être intéressant pour vous si par exemple vous vous trouvez dans une petite ville. Ou dans votre quartier, par exemple, je sais pas si vous êtes à Paris, vous n'allez pas chercher Paris parce que c'est trop généraliste, il faudrait plutôt chercher votre quartier, votre arrondissement. Tag, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va cliquer sur tag, voilà, et là, par exemple, si vous êtes un café, donc, voilà, comme ça, le premier terme qui me vient à l'esprit, c'est café. Donc on va noter café directement. Voilà. Donc café, vous voyez, là vous voyez le nombre de postes pour café. On va cliquer dessus, hop. Voilà. Plus de 25 millions de postes. Hein. Donc, et là, voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà noter Related, donc alors je sais pas s'il existe une version française d'Instagram. Je crois qu'il en existe une. Moi j'ai téléchargé la version américaine, mais sur la version française, je pense que ce sera marqué quelque chose comme suggestion ou voilà. Donc là, donc dans les suggestions, ça c'est des choses que vous pouvez noter parce que ça va vous permettre, ça va être utile à votre stratégie de hashtag. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais les noter comme ça. On peut s'entraîner en même temps. Vous pouvez le faire en même temps. C'est ça, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire en même temps comme ça vous permet déjà de commencer à vous entraîner. Donc là, je vais les noter. Je vais noter ces hashtags. Vous voyez, alors quand vous cliquez là-dessus sur votre téléphone. Vous restez appuyé avec votre doigt et vous pouvez avoir donc un visu sur tous les différents hashtags. Bon là, ça va que jusqu'à là. Sur les différents hashtags et je vous conseille donc, comme je vous disais, de les noter. Donc, là, cappuccino. Hop. Là déjà, vous commencez déjà à avoir des premiers hashtags. Ça, ce sont des hashtags qui sont très utilisés. Donc voilà, pourquoi ça va être intéressant pour votre stratégie, c'est que vous allez travailler avec des hashtags très utilisés.
Le but, c'est d'avoir les hashtags les plus recherchés. Comme ça, vous avez de grandes chances d'avoir beaucoup de monde qui tombe sur vos photos. Mais en même temps, ce que je recommanderais, c'est de faire 50% d'hashtags très utilisés et 50% d'hashtags spécialisés, très spécifiques à votre business. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous avez un café dans le 13e arrondissement, il faudra utiliser des hashtags autour du 13e arrondissement, voilà, qui seront plus spécifiques, et des hashtags plus généralistes. Donc sur le café, comme là on est en train de faire, là on est en train de chercher des hashtags généralistes. Voilà, donc après, là, moi, une chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller dans les top posts. Voilà, vous prenez le premier, là on va cliquer sur celui-là, et généralement, ils ont toute une série de hashtags. Quand vous allez, hop, dans les commentaires, alors attendez, non, même pas dans les commentaires. Alors, par exemple, bon, là, c'est pas, encore une fois, c'est pas le bon exemple, parce qu'on regarde au niveau du hashtag, ça, NAKD Fashion, c'est un hashtag de mode, donc c'est pas intéressant pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est des hashtags qui sont autour du café. Voilà. Vous voyez, là, on a trouvé un post, et ça, on va s'en inspirer. Donc là, vous allez appuyer là-dessus sur mort, et là, vous voyez, là, vous avez tous les hashtags qui vont être intéressants pour votre business, pour vous faire connaître. Alors, sachant que ça va être des hashtags généralistes, et en plus, regardez, c'est des hashtags qui sont en anglais. Donc, ce que je vous conseille, c'est de pas tous les reprendre, de reprendre que ceux qui sont vraiment le plus spécifiques à votre business. Là, voilà, ça, c'est des hashtags que vous allez pouvoir utiliser. Alors, vous voyez là, par exemple, on va compter combien d'hashtags il a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 25. Donc 25 hashtags. Vous voyez, donc lui, ça, c'est une personne justement qui a utilisé cette technique-là. Et regardez. Vous voyez comme quoi c'est efficace. Regardez le nombre de likes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur ce profil. Et on va regarder un petit peu quel style de profil c'est. Alors, on voit, donc c'est un profil, oui. Voilà, bon, bah, c'est un profil qui est, ouais. Si, il y a du café quand même, un petit peu. Là, par exemple. Voilà, on voit qu'il prend des superbes photos de café. Et à chaque fois, il utilise ces hashtags-là. Donc, une chose intéressante, c'est de reprendre tous ces hashtags et donc de les intégrer à votre stratégie de hashtag. Deuxième chose qu'on peut faire pour la stratégie qui va être utile. Là, on va sortir de cet écran. On va aller sur Internet. Voilà, alors, vous allez aller sur le site hashtagify.me que je vous mettrai sûrement en lien. Et sur ce site-là, c'est un site ultra utile pour les hashtags. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, voilà, vous allez dans, surtout, faites bien attention à vous mettre dans Basic Mode en bas. Ici, vous avez plusieurs cases. Vous vous mettez sur Basic Mode. Et là, vous avez All time top 10 hashtags related to café. Donc, ça veut dire que ce sont les 10 hashtags les plus recherchés et qui sont en relation avec le terme café. Donc ça, c'est des hashtags encore que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez, alors, quand vous avez un café, bon, je sais que, voilà, certains cafés, il y en a qui font restaurant, donc il faudrait... Vous pourrez utiliser le terme restaurant, vous voyez. Et là, vous avez à côté donc des informations sur ce hashtag-là, la popularité, etc. Donc après, plus le chiffre de la popularité est grand, bien entendu, et plus la popularité est grande. Bar aussi, pareil. C'est un hashtag qui va être ultra utile pour si vous avez un café, vous pourrez utiliser food.
Vous pouvez même utiliser des hashtags en langue étrangère. Si par exemple vous avez des touristes dans votre café, par exemple, si vous vous trouvez à Paris, il y a beaucoup de touristes japonais. Donc vous pouvez utiliser ces hashtags en langue étrangère. Coffee, donc c'est le terme en anglais. Lunch aussi, c'est quelque chose qui apparaît souvent. Shopping, vous voyez, Kyoto. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez vous servir. Parce que faut toujours réfléchir, faut toujours penser que Instagram, c'est une application qui est internationale. Donc des gens qui viennent de l'étranger, ils utilisent aussi Instagram. Coffee maker. Vous voyez? Donc coffee maker aussi, c'est un terme que vous pouvez utiliser. Et là, ces bulles-là, elles sont intéressantes parce que plus la bulle est grosse, plus le hashtag est utilisé. Alors là, on va cliquer sur coffee, par exemple. Et là, ça va nous donner encore d'autres hashtags qu'on va pouvoir utiliser. Vous voyez, latte, Starbucks, morning, tea, café, café, espresso, breakfast, coffee time, good morning. Donc voilà, tout ça, c'est des hashtags que vous allez pouvoir recopier et que vous allez pouvoir utiliser dans votre stratégie. Une fois que vous avez fait la liste de tous les hashtags, une fois que vous avez fait la liste de tous les hashtags, comme je vous disais, vous allez utiliser environ 50% de hashtags qui vont être généralistes, donc du style café, good morning, coffee time, etc. Donc 50%, vu que vous avez 30 hashtags, ça fera 15 hashtags. Et les autres 50% devront être plus spécifiques à votre business. Et il faudra aussi penser à cibler la localisation. Voilà, donc Castellane, tout ce qui est relié à Castellane, tout ce qui est voilà, tout ce qui est relié à Castellane, donc on le retrouve facilement. Voilà, Marseille, Summer, tous les hashtags qui sont plus ou moins reliés à Castellane, on les retrouve facilement donc, grâce à ce site. Ensuite, vous avez un autre site que vous pouvez utiliser. Hop. Trendsmap.com, je vous mettrai le lien en description comme je vous ai dit, qui vous permet de voir tous les hashtags qui sont les hashtags du moment qui sont dans la tendance actuellement. Donc là par exemple, vous voyez, il y a eu un attentat, je crois que c'était hier, London Bridge. Donc bien entendu, vous avez des hashtags partout concernant ça. Partout en Europe en tout cas. Voilà, donc ça va être le plus gros hashtag actuellement. Après, une chose que vous pouvez faire, par exemple, quand il y a ce genre d'événement, pourquoi pas présenter vos condoléances aux familles en utilisant ce hashtag. Donc ça permet aussi de. Je ne sais pas si vous avez des clients voilà, qui sont partis en Angleterre ou qui ont de la famille là-bas. Ou même juste voilà, pour montrer votre support envers ces familles. Voilà, donc ça c'est quelque chose par exemple que vous pouvez faire. Vraiment utiliser les tendances actuelles, bien entendu sans, voilà, sans porter des jugements, etc. En respectant les gens, etc. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, voilà, donc on voit donc sur la map, vous voyez toutes les tendances actuelles. Ensuite, donc moi, ce que j'ai fait, là, comme j'ai pas de photo de café, parce que voilà, aujourd'hui, on va faire la promotion d'un café à Marseille, un café à Place Castellane, donc c'est dans le 6e arrondissement de Marseille. Et donc on va juste créer une image, voilà, une stratégie de hashtag pour ce petit café. Donc là, si vous n'avez vraiment pas de photos, vous allez sur ce site, pixabay.com. Voilà, donc moi là je suis allé sur Pixabay, j'ai trouvé une petite photo sympa. Voilà, donc je vais télécharger et c'est la photo que je vais utiliser pour faire mon post. Voilà, donc. Voilà, une fois que votre photo est téléchargée, vous avez vos hashtags.
Là, vous avez vos hashtags généralistes. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez rechercher vos hashtags spécifiques. D'accord? Donc là, maintenant, les hashtags spécifiques. Donc les hashtags spécifiques, ça va concerner, par exemple, la localisation. On va chercher des hashtags concernant Marseille. Voilà, donc là, par exemple, c'est pour ça que j'ai marqué Castellane et Marseille. Ah, donc Castellane, voilà, ça vous donne, par exemple, Provence. Alors, ouais, parce que c'est la région PACA, je crois. Ah non, c'est Alpes-Maritimes. Enfin bref. Voilà, vous avez des choses qui sont en relation que vous pouvez utiliser. Donc Castellane, Marseille, Summer, par exemple. Summer, c'est un bon hashtag, ça aussi, à utiliser. Beach, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser. Alors, sachant que Summer, c'est encore trop généraliste. Là, il va falloir vraiment cibler des choses bien spécifiques, donc vraiment spécifiques à Marseille. Si, par exemple, là, ce site internet, ça va nous montrer des hashtags généralement très populaires. Donc, on sera peut-être même pas encore assez spécifique. Donc, comment on fait? Dans ces cas-là, on va retourner sur Instagram. Alors, quand vous faites votre recherche de hashtags spécifiques, la première chose, c'est... Vous pouvez indiquer le nom de la ville. Donc là, en l'occurrence, Marseille. Hop. Et vous allez dans la section tag. Voilà. Et ce qui est bien... C'est que vous voyez, là, je tape Marseille, et là, j'ai le nombre de posts effectués. Donc, ça veut dire que ça me donne aussi une indication sur la popularité. Donc, par exemple, je peux très bien reprendre ces termes-là. Marseille in love, Marseille by night, en regardant le nombre de posts. Voilà. Bon, sachant que le post le plus populaire, c'est Marseille tout seul. 3 millions de posts effectués sur ce tag. Donc après, voilà, ça c'est un petit outil déjà que vous pouvez vous servir. C'est, vous allez dans la recherche au niveau des tags, et donc vous indiquez les tags qui vous semblent intéressants. Ou alors aussi, ça vous donne aussi une indication sur, par exemple, si je tape café, vous verrez qu'ensuite ça vous donne les tags en dessous, d'autres tags populaires avec le terme café. Donc là, par exemple, le terme café, c'est 25 millions de posts, mais sur le thème Café Racer, c'est 2 millions de posts qui ont été faits. Sur le terme café comme ça, c'est avec un accent, c'est 3 millions de posts. Vous voyez, donc, et vous pouvez continuer comme ça, voilà, vous pouvez chercher plein de tags comme ça, plein de hashtags à inclure comme ça, juste en notant votre mot-clé ici, votre mot que vous ciblez, et en regardant les résultats qui apparaissent. Voilà, ça c'est vraiment la façon la plus simple pour trouver vos hashtags, et en l'occurrence, pour vos hashtags spécifiques, mais aussi pour vos hashtags généralistes. Ça peut être aussi utilisé pour vos hashtags généralistes. Et alors généralement, par exemple, vous avez souvent le terme IG Earth. Donc ça, en fait, c'est repris dans pas mal de villes, pas mal d'endroits. Donc, vous pouvez taper IG Earth Marseille, par exemple. C'est un hashtag que vous allez pouvoir utiliser, IG Earth Marseille. Et là, ça va vous donner voilà, quelques photos, justement, de personnes qui utilisent Instagram à Marseille. IG Marseille. Voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est utile. Ce que je vous disais là, ce que vous trouvez ici là, les suggestions, c'est utile parce que par rapport à Marseille, vous avez toutes les suggestions qui vont être utiles et qui vont être un peu plus spécifiques. D'accord? Sans être malheureusement là spécifique au quartier, mais il y a des choses qui vont être déjà spécifiques à la ville de Marseille. Chez nous, Marseille. Voilà, Marseille, carte postale. Ça, c'est des tags. Tous ces tags-là, on va les reprendre. Marseille, carte postale. Hop.
Voilà, donc là, j'avais déjà noté les tags qui sont généralistes. Donc là, je vais noter les tags plus spécifiques. Donc là, déjà, c'est la première chose, c'est qu'on peut les trouver donc sur Instagram. Voilà, comme ça, hein, en notant tout simplement Marseille. Après, il y a encore une autre chose. Vous pouvez aller dans. Là, je suis allé dans Tag. Vous pouvez aller dans Place, Places. Donc en fait, c'est les lieux. Alors là, pourquoi on n'a rien? Parce qu'il y a IG Marseille, IG Earth Marseille. Il ne faut pas mettre IG Earth Marseille. Juste mettre Marseille. Voilà. Bon, ça se met automatiquement. Hop. Vous regardez là à ce niveau-là. Et là, vous pouvez regarder les gens là, qui ont tagué il y a peu de temps Marseille. Donc après, il faut regarder dans les tops pour voir si ça peut être intéressant pour nous. Si eux, ils utilisent des hashtags qui sont spécifiques ou qui peuvent être intéressants. Bon, là, j'en vois pas trop. C'est là, ça va être plus spécifique à leur domaine. Donc là, ce sera pas super utile d'utiliser ça. Par contre, ce sera utile vous quand vous allez poster, de poster vraiment votre localisation à Marseille, parce que comme ça, on vous verra justement apparaître dans les posts, peut-être même dans les top posts à Marseille. Voilà, après, donc, la deuxième solution, c'est si vous ne les cherchez pas, si vous ne trouvez pas assez de tags sur Instagram, vous pouvez encore faire autre chose pour avoir d'autres idées de mots intéressants, de mots-clés. Vous pouvez aller directement sur Internet. Donc là, on le fait. Donc voilà, vous allez sur Google. Et vous allez taper Marseille 6e arrondissement. Comme ça. Là, déjà, ça va me donner des idées. Hop. Marseille 6e arrondissement. Et là, je peux voir ce qui se passe au niveau du 6e arrondissement, quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, dans News. Et par exemple, la fête de la musique. Voilà, après, donc voilà. Bon, là, je vais peut-être pas passer toute la journée dessus, mais. Le but, c'est de rechercher des lieux importants. Par exemple, on pourrait essayer de faire des recherches sur la station de métro. Estrangin, préfecture, peut-être qu'il y a des tags sur cette station de métro. Ou l'opéra, par exemple. Le vieux port, ça, c'est sûr et certain. Alors après, c'est peut-être pas le même arrondissement. Mais bon, c'est pas très loin non plus. Si, en plus, ça a l'air d'être le même arrondissement. Donc, c'est pas loin. Donc, le vieux port, par exemple, on peut faire des recherches sur le vieux port. Donc voilà, après c'est illimité, c'est vraiment à vous de voir combien de hashtags vous recherchez. Là, on va s'arrêter au nombre de hashtags qu'on a trouvés, qui sont déjà intéressants. On n'en aura peut-être pas 50% de spécifiques, mais bon, le but c'est de se rapprocher des 50%. Donc du coup, là, on sera peut-être à 30% d'hashtags spécifiques. Le reste, il restera 70% d'hashtags un peu plus généralistes, mais c'est pas non plus gravissime si vous utilisez des hashtags, plus d'hashtags généralistes. Voilà. Voilà. Donc on va utiliser cette photo. Voilà. Donc là, après, vous avez différents filtres, hein, que vous pouvez utiliser. Là, on n'a pas besoin d'utiliser de filtre. Après vous, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur l'utilisation des filtres. Je ferai une vidéo sur l'utilisation des filtres. Comme ça permettra à certains de comprendre un peu mieux comment bien exploiter les filtres. Bon, sachant que là, on est les filtres d'Instagram, on est quand même limité. Hein, on n'est pas non plus sur du vrai filtre, de la vraie modification d'image comme sur un logiciel photo. Voilà, donc là on est vraiment sur du basique, donc c'est assez simple hein, finalement. Voilà, donc là, on va poster cette photo. Voilà. Donc comme si on était donc
Donc un petit café à Marseille, place Castellane, donc qui souhaitait faire la promotion de son compte Instagram. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est au lieu de mettre vos hashtags en description comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est là de mettre votre texte. Par exemple, là on va mettre un texte au hasard. Retrouver. Non, on va mettre plutôt. Venez tester. Ou plutôt, venez goûter. Nos cappuccinos. Voilà, on va juste mettre ça. Là, effectivement, moi, ce que je recommande de faire, donc là, c'est quelque chose que peu de gens font. À part vraiment les grandes marques ou les connaisseurs vraiment d'Instagram. Ici, en fait, moi, ce que je propose de faire, c'est d'utiliser un ou deux hashtags. Vous utilisez donc, par exemple, le hashtag du nom du café, par exemple, votre propre hashtag, votre hashtag personnel, que vous avez déjà défini. Donc, par exemple, je sais pas, moi, café Castellane. Hop. C'est purement inventé, ça n'existe pas. Café Castellane. Café. Voilà. Ah ben, ça existe déjà. Café Castellane. Et voilà, c'est tout. Comme on a vu précédemment pour Starbucks, vous utilisez votre hashtag personnalisé, le vôtre. C'est ce que je vous conseille de faire parce que je vais vous montrer une petite astuce. Comme je vous disais, qui n'est pas connue de la plupart des gens sur Instagram. Là. On va taguer donc la place Castellane. Parce que là, c'est très important. Il faut taguer le lieu où vous êtes situé, si vous êtes un café. Donc Castellane, place Castellane. Voilà, Marseille, 06. Hop, donc on tague ici. Et donc là, en dessous, donc comme vous le savez, il faut toujours penser à relier tous vos comptes. Donc Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Swarm. Bon, moi, je n'utilise pas Swarm, mais tout le reste, je les utilise. Là, je n'ai pas connecté mon compte. Mais par contre, sur mes autres comptes à Instagram, ils sont bien connectés. Sur celui-là, non. Je le ferai plus tard. Voilà, donc maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Tag People. Et pourquoi on va utiliser Tag People? Parce que si, quand vous taguez des personnes influentes, ça vous ramène du trafic supplémentaire. Et donc, déjà, premièrement, les personnes que vous allez taguer vont voir votre photo. Et en plus de ça, sur l'algorithme d'Instagram, le fait que votre compte identifie un compte très influent, vous allez gagner donc en visibilité quand vous allez poster
quand vous allez faire un post. Donc là, par exemple, on peut taguer, voilà. On va taguer ces gens-là, Agers Marseille. Hop là. Et Marseille Rebelle. Hop. Bon. Après, c'est pas trop grave. Hein. Ils vont peut-être qu'ils vont les voir. Ils vont peut-être même pas prêter attention. Mais ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'algorithme d'Instagram, ça va vous apporter de la visibilité supplémentaire de faire ce style de manipulation. Et vous pouvez taguer pratiquement le monde que vous faites. Je sais pas si vous êtes limité au niveau des tags. J'ai jamais essayé de taguer un nombre de personnes inconsidérables, mais vous pouvez mettre pas mal de tags. Et en plus de ça, il y a une personne justement qui me demandait comment faire des tags. Ben voilà, très simple. Vous allez... Donc, alors attendez, on va revenir en arrière, comme ça, je vous montre. Voilà, donc vous allez ici, tag people. Donc en français, ce sera peut-être autrement, taguer les gens ou quelque chose comme ça. Voilà, vous appuyez là-dessus. Et là, vous appuyez à un endroit sur la photo, n'importe lequel. Voilà, et là, ça vous donne accès aux personnes que vous souhaitez rechercher. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Il faut connaître le nom, par contre. Il faut connaître le nom des personnes. Moi, par exemple, je sais que sur l'un de mes autres comptes, je taxe souvent Canon. Donc, par exemple, il faut mettre le nom. Alors, après... voilà. Et ensuite, appuyez sur « Recherche ». Ça n'apparaît pas directement, il faut appuyer sur « Recherche ». Alors, après... Si vous souhaitez taguer quelqu'un, un client par exemple, tout à fait possible, un client qui est sur une de vos photos, vous pouvez le taguer comme ça, ou des amis, pareil, il faut entrer le nom de cette personne et bien l'écrire, parce que si vous l'écrivez mal, ce sera d'autres personnes qui vont ressortir. Il y a je ne sais pas combien de millions de personnes qui sont sur Instagram, donc il faut vraiment bien taper leur nom. Voilà, par exemple, moi j'ai tagué mon compte de photographe. Hop. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et voilà. Et voilà. Donc, on appuie sur OK. Voilà, vous pouvez appuyer donc, sur l'image pour voir si tout est OK. Et là, la petite manipulation que je vais vous montrer. Donc comme je vous disais, le hashtag, on va pas le mettre sur directement sur cette photo. Parce que ça va faire... Si on met tous nos hashtags là, ici, on aura l'air de spammer. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. On veut pas avoir l'air de quelqu'un qui à tout prix veut... essaye à tout prix d'avoir un maximum de gens qui voient sa photo. Non, ça c'est pas ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de, il y a au moins 98% des gens qui sont sur Instagram, c'est ce qu'ils font. Nous on va pas faire comme ça. Moi je vais vous montrer un petit truc où vous allez avoir les mêmes résultats que ces gens-là, sauf que vous apparaîtrez pas comme un spammer. Donc là, vos hashtags, ils sont enregistrés sur votre téléphone, donc moi, je les ai enregistrés dans Notes. Donc là, on va dans Notes. Et on va aller chercher les hashtags. Et après, on va faire un copier-coller, en fait. Donc, là, il y a des hashtags que j'ai pas copiés, d'ailleurs, que je vais copier tout de suite. Et je vais effacer certains hashtags, parce que là, il y en a trop, là. Alors... C'est carte postale. Donc là, ça, ces tags-là, ce sera vraiment des hashtags plus spécifiques. Parce que là, vraiment, on essaie de cibler la localisation. Donc là, c'est des choses qu'on n'aura que à Marseille. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut vous amener des personnes qui sont localisées à Marseille. Donc là, vous voyez, on a beaucoup trop d'hashtags. Donc il y en a qu'on va effacer. On enlève ça. Le but, c'est d'avoir 29 hashtags, parce que souvenez-vous, il y en a un qu'on a laissé. Donc, si on a plus de 30 hashtags,
ça ne passera pas. Donc là, il faut faire attention. Bon. Pick of the day, par exemple, on va l'enlever. NG Coffee, c'est bon. Coffeeholic. Coffee lovers. Coffee love. Drink, on va l'enlever. Voilà, tout ce qui paraît moins spécifique, on essaie de les enlever. On essaie de garder le meilleur. Donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là, on en a 28. Donc, copier-coller. Voilà, et là, on va pouvoir mettre ça sur Instagram. Donc là, on va donc valider notre image. Donc tout est bon, tout est OK. Donc là, on va pouvoir partager. Et là, au moment où on va partager, il va falloir être très rapide. C'est une astuce que je vous montre. On va partager cette photo, mais rappelez-vous, là, les hashtags, on ne les a pas mis sur la photo. Donc on va les mettre en commentaire. Donc là, je vais partager et très rapidement, il va falloir, le plus rapidement possible, il va falloir mettre ces hashtags en commentaire. Et pourquoi on va faire cette technique? Parce que le fait que ces hashtags soient en commentaire, ça va être super pratique par la suite parce que après 24 heures, sur Instagram, les hashtags sont inefficaces. Donc, un jour après votre post, vous n'avez plus qu'à effacer ces hashtags, et très facilement. Vous allez juste dans la section commentaires et vous supprimez votre commentaire, tout simplement. Et voilà pourquoi on utilise cette technique, ça permet d'avoir l'air de ne pas être un spammeur, et alors que au final, vous ciblez exactement les mêmes hashtags que ce que font la plupart des personnes donc sur Instagram, et utilisent les 30 hashtags, parce que le but, c'est quand même d'utiliser ces 30 hashtags. Donc, là, je vais partager et je vais vous montrer comment on fait. Je partage, bam, on appuie, voilà. Et là, vous allez donc sur commentaires, ici, directement. Coller. Et là, voilà. C'est posté, c'est bon. Et là, c'est fini, vous avez fini votre post. Tout est OK, on n'a plus qu'à attendre des j'aime et que des nouveaux clients s'intéressent à notre compte. J'ai aussi réalisé une petite fiche qui va te permettre de reprendre point par point tout ce qu'on a vu dans ce cours de façon détaillée et de façon à bien comprendre ce qu'on a vu ensemble, avec même des petites cases à cocher à chaque fois que tu valides l'un des points. Donc, pour avoir accès à cette fiche, c'est simple. Il y aura un lien dans cette vidéo, quelque part sur l'écran. Tu as juste à cliquer dessus et indiquer ton adresse email et je te ferai parvenir cette fiche immédiatement. En plus de ça, tu auras accès à des informations exclusives que je ne partage pas partout sur mes nouvelles stratégies, sur les nouvelles astuces qu'on peut utiliser pour faire grossir son compte Instagram et surtout, le plus important, comment attirer de nouveaux clients et toujours plus de clients pour son business. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis dispo, je réponds. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao!